Bonjour et bienvenue dans Un miracle chaque jour. Le miracle du jour vous est apporté par Bruno Picard. Bonne écoute. Bonjour mon ami. Le miracle du jour a pour titre « Vous lancez ou rassemblez les pierres ?» La famille est une idée divine. En tant que pasteur, je suis comme un pitbull lorsqu'il est question de ma famille. Chaque jour, je me bats pour la mienne et pour toutes celles qui composent la famille spirituelle à laquelle j'ai la grâce d'appartenir. Mon ami, l'amour de Dieu est plus puissant que toutes vos souffrances. Si votre famille a connu l'explosion ou l'implosion, si vous avez l'impression que l'on vous jette des pierres, si vous pensez que votre ami spirituel vous empêche de bâtir une famille selon Dieu, sachez que l'amour de Dieu est bien plus puissant que tout cela. Il y a un temps pour toute chose sous les cieux. Il y a un temps pour lancer des pierres et il y a un temps pour les rassembler. Le livre « Moi et ma maison » écrit par les pasteurs Claude Hood et Ben Aguila nous explique qu'à l'époque du roi Salomon, lancer des pierres évoquait la dureté et le jugement, la sentence par lapidation, le bannissement d'une tribu, d'une famille, d'un mariage ou le conflit entre deux clans. C'était en quelque sorte la déclaration ou le maintien de la guerre, la condamnation ou peine capitale de l'époque. Au contraire, rassembler des pierres signifiait la paix, la réconciliation, l'unité, l'espoir et la foi. Les pierres rassemblées servaient à bâtir un autel à Dieu en signe de renouvellement d'un engagement personnel à marcher avec lui. Aujourd'hui, nous devons choisir entre lancer des pierres ou les rassembler. Soit nous décidons de composer avec la distance et la haine, soit nous faisons tout notre possible pour bâtir des relations fortes qui donnent gloire à Dieu. Cela en vaut la peine. Ne baissez pas les bras, ramassez et rassemblez les pierres, puis bâtissez ou rebâtissez. Je prie pour vous. Merci d'exister. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne Un miracle chaque jour et à cliquer sur la petite cloche pour être averti de ma prochaine vidéo. Merci d'exister.